Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, en fait, si vous voulez jouer avec les modes, le premier truc à faire, c'est de jouer avec la couleur blues et de faire juxtaposer, de bricoler entre le mode dorien, qui est l'espèce de représentant de commerce du monde mineur, et le mode mixolydien, qui est le représentant de commerce de la boîte en face, qui est le mode majeur. Si vous voulez sonner mineur sur un blues en la... tierce mineure, puis après on a une seconde, là on a une sixte majeure, et donc tierce mineure, seconde, sixte majeure, on est en dorien. Si je veux sonner mixolydien, au lieu de faire ça au départ, je vais faire... C'est pas grand chose, hein. C'est la différence entre mixolydien et dorien. Il y a une seule note qui diffère, c'est la tierce mineure qui est dans dorien et la tierce majeure qui est dans mixolydien. Dorien. Mixolydien. Ok? Après, souvent, on fait une ambiguïté entre cette tierce mineure et cette tierce majeure, ce qui nous permet de passer subrepticement, je ne sais pas si ça se dit, rapidement, l'air de rien, comme un sioux, comme un apache, de dorien à mixolydien, de mineur à majeur, et pourquoi pas de pentamineur à pentamineur majeur. Ça aide. Okay, n'hésitez pas à aller chercher le petit PDF, je vous mets dans le premier commentaire. Où est-ce qu'il se trouve-t-il ? Dans le site, d'accord ? Formez-vous aux intervalles, parce que sans les intervalles, vous ne pourrez pas bien comprendre la musique. Vous allez pouvoir la comprendre d'oreille, intuitivement, empiriquement, mais vous ne pourrez pas la comprendre. Vous ne pourrez pas vous dire « Ah, mais bon Dieu, c'est ça qui se passe ». Les intervalles, c'est la porte d'entrée pour tout comprendre. Après, avec cet outil-là, tu peux tout comprendre. Moi, j'ai fait une formation où je vous explique tout, avec des exemples pour tout, pour les retrouver d'oreille, pour les repérer sur le manche, avec une espèce d'application, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, d'interface, pour reconnaître d'oreille, pour vous faire des exercices, et ça te donne ton résultat, et ça te donne un petit mot d'encouragement, pour les reconnaître d'oreille, pour les repérer sur le manche. Bye bye, ciao.